Ouais, Toxic à santé gagne sa lane au top, on est vraiment bien. Est-ce que ça sera mieux que Triton? Comment ça, Tizard? Triton et Chal, non? Enfin, il est pas Chal, je pense, il est GM 900, un truc comme ça. Donc là, peut-être perdu des games aujourd'hui, j'en sais rien. Attends, on est avec Targamas? OMG, on est avec Targamas. Je crois que c'est Targa. Enfin, en tout cas, il avait un compte qui s'appelait comme ça, mais c'est peut-être pas lui en vrai. Mais je crois que c'est Targa. La subdiff dans la game va être ridicule, je pense. Ah, c'est Razor sur Poppy? Ah, mais il est autofill. Endoskeletal, quite peculiar. Ah, le niveau de la game est élevé. Hein. Targa, Razork et tout. Elle joue AP? Non, elle joue AD. Putain, casse la. En vrai, je devrais peut-être ban le blanc. Hein. Le truc, c'est qu'on a vu. Genre, Yasuo, ça a énormément de. Ça a beaucoup de playrate, ban rate. J'ai pas envie de jouer contre Yasuo. J'en ai aucun là. J'ai peut-être celui-là si je time un peu mieux. Après, elle a que 6 CS. Je sais pas comment elle arrive à pas la site avec une épée longue, mais. Ça, c'est huge ça. J'ai plus de potes par contre. Elle en a encore une. Faut que j'arrête de jouer un peu rapidement. C'est bien ça. Après je farm comme un silver mais c'est ok. Ça freeze même pas vraiment, ça va slow push vers moi là. Tu sais qu'on a que des lanes perdantes quoi. On a que des lanes perdantes. On perd à push bot. Mid. Voilà, pas de pote. Je vois le Kha'Zix. Je peux la bouger. Je vais essayer de jouer le push en vrai. En fait, c'est le push lentement comme ça. Ah, viens bien, elle est obligée de rester là. An
Ah, c'est son clan. Elle a tellement bien joué. Elle va TP. Elle a déjà TP. Par contre, là, elle peut freeze, je crois. Non. Big. C'est un canon, donc c'est bien. Ah ouais. Le Kha'Zix s'est fait de fou. Et au top, il se fait laver le cul par Razor. Il va se faire gank, non? Bien joué. Bon, on va pas me le faire deux fois, c'est son clone. Elle a pas de TP du coup. Je pense qu'elle revient vite, mais j'ai quand même envie de jouer plate. C'est trop risqué en vrai. On va se dire que ça va être wave clear. Mais à mon avis, ça va tomber. Elle met du temps à arriver. Mais bon, j'ai pas Thresh et j'ai pas Kha'Zix sur le timing, donc je suis obligé de laisser la plate tomber. C'est Yandri cette game. Elle push vite. Okay. A land rich with information. Je crois pas qu'on ait vu le Kha'Zix, hein. Je suis obligé de respecter quand même un peu. Ok. Elle a plus de dash, enfin elle a plus de R. Il m'a demandé de push de... pour les râles. C'est important parce que je pense que Kha'Zix c'est pas loin. Je sais pas s'il a son flash ou pas. Parce que je le tue, hein, le Kha'Zix si jump in. Oh, ça me casse les couilles. J'aurais dû flash le hook.
Ouais, c'est pas une classe de faire des lucidités, je viens de perdre mes deux summoners. Fais chier. J'ai du flash le haut quand même. Il est mort, t'as gars. Il y a Kazé qui gagne. Il est en train de run dans ma game. Après, je crois qu'il est pas aidé par le Jarvan. A mon avis, il est un peu tilté. Je crois que le Jarvan se fout un peu de leur gueule. Je crois. Je suis pas sûr, hein. Après, je Nautilus, hein. Juste à mettre un R à un moment et ça va aller. Bon, j'ai plus de summoner, faut que je fasse gaffe au Rome. Essayer de traquer un peu. Il se fait laver le cul au top, hein. Et là, ouais, statique. Fun. The pattern is clear. Odd creatures of blood and flesh. Elle va me cancel. Ce qui est pas forcément si mauvais dans le sens où j'aimerais bien rester jusqu'au Liandry. Faut pas mourir quoi. Il me casse les couilles elle. Elle est morte aussi, anyway. Le Jarvan a l'air assez spécial, hein. Ouais. Bon, c'est loose. Parce que même au top, il se fait laver le cul contre un autophile. Pas d'HP. Je pense même pas que j'ai cette plate en vrai. Non, j'aime pas eu les gold. Ce qui se prend au top, c'est vraiment sad. Hein. Et peut-être autophile aussi, mais je pense même pas. On n'a pas d'autophile, je pense. Ils sont tous main-run. Ouais. Triste. Triste. Il a un impact, hein. Oh, il est mort de Leblanc. On a un ouais, shut down objectif et tout. Ils ont deuxième Drake.
après je vais venir je pense. Ah, moi je pense que c'est loose, hein, mais je sais pas. J'ai flash dans le R. Bah ouais, disons que toute ma team se fait chier dessus, c'est unplayable. C'est unplayable. Je sais même pas comment c'est possible, hein. Honnêtement. Parce qu'après, au bot qui perdent un petit peu vu que Targa a utilisé son flash, why not? Mais... je sais pas. Au top, alors qu'il est contre un autofill, bon après c'est Razorg bien sûr, mais... je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment cringe. Ils en tuent pas un. Peut-être un autofill, hein, mais je pense pas en vrai. Je pense même pas qu'il y a d'autofill dans la team. Je pense juste qu'il... il griffe. Hein. Il y a un shot dans l'objectif au mid, mais je vais mourir, je pense. Je pense que je mets oui, hein. C'est un peu pointless en vrai. C'est un peu pointless. Tous en 1-1. Ça met bien. Mais après, je sais pas pourquoi il a pris moins 29. Ah ouais. Je comprends pourquoi il a pris Jarvan, surtout pour faire ça dans la game. C'est un main jungle ? Putain, qu'est-ce qu'il est gaze, frère. Ah, c'est l'intégralité de son historique, je sais pas ce qu'il branle, non troll. Et du coup, lui, c'est un main mid. Bah ouais, il a jamais joué qu'à santé de sa vie, quoi. Il a littéralement first time. Ça explique un peu, parce qu'en face, c'est Razorg, du coup. Razorg joue Poppy et... il est sur un compte D1, c'est pour ça que c'est... c'est pour ça qu'on perd autant de LP. Et la différence entre jungle est ridicule. Ah, le mec est sur son OTP, quoi. Enfin, OTP. C'est pas vraiment son TP, quoi. Mais... encore une game de 5 minutes, ça fait plaisir. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé au bot avec Targa. Ah, il était autofill. Non, il était pas autofill. C'est un main mid mais il y a du roll swap.
Et lui, c'était un Smurf. Ouais. C'est un Smurf qui date de la saison précédente, je sais pas qui c'est. Il est pas sur LoL Pro. Il est pas sur LoL Pro, le mec. Challenger sont d'avance, ça doit être un mec de RL qui joue sur un compte incognito. Pas stylé en vrai.